réponds, pas toi? Vous répondez, comment est-ce? Madeloune via, m'chou, y'en a pas de gaire. Madeloune via, m'chou, y'en a pas de pas. J'en sais plus, c'était des vieux ça. Moi, je les relevais sur les autres, mais vous savez, c'est que les vieilles. Vous voulez pas essayer avec... On a les doigts engourdis. La bourrée d'Auvergne, vous la jouez formidablement. Ah oui. Non, mais j'ai des doigts et pieds comme des saucisses. Je vais bien, ça me dirait. Allez.
La bouleille d'Auvergne, la bouleille va bien, la bouleille d'Auvergne, la bouleille va bien, quand son quatre, en carré, quand son seuil, carré, quand son sept, en carré, quand son vieil, les vieux ta mamie, les vieux ta pantrao, les vieux ta mamie, les vieux ta pantrao, qui fera la crication, blav en boucau, ou vai, vai, ma charada, ou vai, vai, te lava, ou vai, vai, ma charada, vai, 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 te lava, quand tournera ma charada, quand tournera dansera, quand tournera ma charada, quand tournera dansera. Quand les musiciens jouaient, ils jouaient sur une table, dans les cafés, sur une chaise, quoi, sur une table, près de l'eau. Alors moi, je m'appuyais à la table, et puis toute la nuit, je restais là, à l'écouter. Puis le lendemain, alors j'avais fait un violon en vergne, parce que mon père faisait le menuisier. On avait attrapé des temps, j'avais fait un violon en vergne. Et puis j'avais fait l'archer, là, avec des fils dans ma mère. Et pour passer de la colophane, j'avais cherché de la résine, par les pailles. Je passais de la résine, ça crachait un peu, mais ça marchait quand même. Que les cordes, c'est ça avec des cordes de garde-à-manger. Vous savez les grilles de garde-à-manger? Ah oui. J'avais parlé de garde-à-manger de ma mère, j'ai en tiré une, deux. Mais ça marche. J'aurais fait danser un chien. Voilà. Ne dansez pas tant, le curé le défend. Pourquoi pas ne danserai-je pas, puisque le vicaire ne le défend guère. Pourquoi pas ne danserai-je pas, puisque le vicaire ne le défend pas. Thank you.
Vai pra tal fui, Marguito Langueita, e mostro a leti, Et la fois où j'ai eu le mieux de peur, c'est pour une os que j'ai joué à Arvan, là-bas, à la cime d'Arvan, sur la route de l'Argie, il y a un grand café, là. Ils m'ont fait monter là-haut sur cette estrade. Tous les autres, ils étaient là-bas, en bas, oh, je dis, toi, avec ta boîte à musique, ben, t'es bien tombé. Jamais là-bas dessous, ils vont pouvoir danser. Pour lui, qu'est-ce que t'as fait d'aller promettre de jouer cette noce? Tu vas te faire passer pour un couillon. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, quand j'étais là-haut, je me suis remis le courage. J'ai dit, tant pis, il faut attaquer. Tous ces étaient là-bas dessous. J'ai attaqué. Et j'ai vu qu'ils sont partis et j'ai vu qu'ils sont mis à danser. Ah, j'ai dit, ça y est, je suis sauf. S'ils dansent, c'est qu'ils entendent la musique. Mais c'est la seule fois que j'ai eu peur, mais alors j'ai eu la force. Vous savez, quand tout l'annonce est là, tout le Saint-Fosquin, et que le musicien, oh, on serait descendu par terre, j'aurais sur une table, quoi. En jouant sur une table, peut-être bien qu'il m'aurait entendu. Caille avec la caille, mon datoni, caille avec la caille, mon datoni, mon drame. Et les paroles. En revenant de noce, j'étais fort fatigué, vous voyez, j'étais fort fatigué. Auprès d'une claire fontaine, je me suis reposé. Mais l'eau était si claire que je m'en suis lavé. Que je m'en suis lavé, vous voyez, que je m'en suis lavé. À la branche d'un chêne, je me suis essuyé. Sur la branche de ce chêne, un rossignol chantait. Un rossignol chantait, vous voyez, un rossignol chantait. Et moi je lui ai dit, chante, chante, bête, si tu as le cœur gai. Mais moi je l'ai bien triste, mon amour m'a quitté. Mon amour m'a quitté, vous voyez, mon amour m'a quitté, et moi j'en sais plus. c'est déjà pas mal. Thank you.
Vous parlez tout à l'heure de vos oncles. Vos oncles jouaient aussi? Bah oui. Du côté de ma mère, ils étaient deux à ma cercle. Les Jérôme, ils ne sont plus. Du côté de mon père, ils étaient chanteurs, mais ils n'étaient pas. Mon père chantait très bien. Et moi, je chante bien, mais j'ai une voix comme. Comme un chaudron quand on a mis une pièce de vin sous au fond. Je ne peux pas avec l'asthme de bourse en bouche. Vous remarquez une chose quand vous jouez, quand vous mettez les doigts, vous mettez les doigts sur deux cordes parfois. Hein? Ah oui, oui. C'est un nom. Genre de dièse. Dièse de la bémol. La bémol, trois cordes, ben. Oui. Et la deux cordes. Dièse. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont mes mères, oui.